Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire passer Gossip sous la tondeuse. Donc je tiens à préciser que ça fait plus d'un mois que j'essaie de tourner cette vidéo, sauf qu'il y a un mois j'ai eu un petit souci car je n'avais qu'à disposition qu'une simple tondeuse pour gros chiens. Sauf que je m'étais dit que vu que Gossip n'est pas très grande et qu'elle n'a pas forcément une très grosse surface à tondre, ça aurait fait suffisamment l'affaire. Sauf que... malheureusement non, j'ai eu pas mal de soucis tout simplement parce que la tondeuse s'emmêlait dans les poils tellement qu'il y avait une grosse épaisseur. Et du coup j'ai voulu tenter autre chose, j'ai pris un ciseau et j'avais commencé gentiment à couper ou à prédécouper le poil de Gossip pour qu'il y ait moins de poils, pensant que la tondeuse allait beaucoup plus facilement passer, sauf que pas de bol, ça n'a pas marché. Du coup, y a eu un petit souci, c'est que la tondeuse n'a quand même pas fonctionné et que du coup, j'ai dû laisser Gossip comme ça pendant un mois car j'ai dû commander une vraie tondeuse pour chevaux et vu qu'elle n'était pas livrée tout de suite, je pense que vous avez pu voir que pendant un mois, vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles des loulous. C'est tout simplement parce que je n'ai pas osé vous montrer Gossip de peur des réactions que certaines personnes auraient pu avoir. Sauf que voilà, aujourd'hui, j'ai reçu la tondeuse, nous allons pouvoir réparer entre guillemets ma petite bêtise, alors que c'était pas forcément une bêtise parce que du coup vu qu'elle était tondue à moitié, je l'ai quand même couverte quand il y avait la pluie pour pas qu'elle tombe malade et tout. Elle va très bien, hein, j'ai même fait rire les gens parce que j'ai eu mon maréchal et mon vétérinaire qui sont venus pour les loulous et ils ont dit que la tonte que j'avais fait à Gossip était très originale. Sauf que c'était pas le but, voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais aller tondre pour de vrai Gossip. Sauf que ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est une amie à moi qui est ma voisine qui va s'en charger car la tondeuse que je viens d'acheter pour chevaux, elle est 100 fois plus grande que la tondeuse que j'avais pour chien. Du coup, ça m'impressionne un peu. Et vu que j'ai jamais tondu un cheval, je préfère laisser faire mon amie qui elle s'y connaît. Au moins, il n'y aura pas de soucis et on aura un bon résultat comparé à ce que moi j'ai fait. Donc là, on va bientôt partir chez mon amie pour aller la tondre. Du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti! Donc voilà un peu où on en est actuellement, c'est déjà 100 fois mieux, donc après voilà, mon amie n'est pas une professionnelle, voilà c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà un superbe travail ce qu'elle fait par rapport à ce que moi j'ai pu produire, et sachant que Gossip va continuer à perdre son petit poil d'hiver, ça va redevenir normal. Donc voilà, donc actuellement on est du côté là, on doit encore faire en dessous sur l'encolure.
après à délimiter près de la tête, repasser un peu ici, là où on galère parce que la tondeuse est beaucoup trop grosse par rapport au passage de sangle de la louloute. Mais bon, hein, comme j'ai dit, on ne veut pas faire du professionnel, on fait juste du fait d'arranger mes petites bêtises. Voilà, on doit encore passer un petit coup ici, là, et après, bah, on dira que ce sera bon, hein, ma louloute. Et Gossip est très sage, elle est très courageuse, même mon amie est très impressionnée pour une pouliche de 2 ans qu'elle soit aussi calme pour une première tonte. Hein, ma chérie, c'est bien ma louloute. Voilà, je suis retournée chez moi avec ma petite chérie qui est de nouveau correcte, toute bien, toute belle. Donc j'ai pas beaucoup filmé tout simplement parce que je préférais quand même rester proche de Gossip pour la tenir au cas où si elle s'énervait. Sauf que Gossip a été plus que courageuse, elle n'a presque pas bougé. Pour vous dire que quand elle a bougé, c'est juste qu'elle a bougé son postérieur parce qu'elle en avait marre de rester dans sa position. Mais elle a été un amour, même mon amie a été impressionnée du calme que Gossip a eu pendant la tonte alors que c'était sa toute première et que la tondeuse faisait quand même pas mal de bruit. Et voilà, on a quand même... Mon amie m'a fait quand même un très beau travail. Bon, certes, ce n'est pas parfait et tout, mais moi, je ne cherchais pas la perfection. Je voulais juste que Gossip soit tondue et voilà, qu'elle soit beaucoup mieux que comme elle était avant. Et vu que là, on est en pleine période de mue, bah, son poil va quand même continuer à tomber. Donc, il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Tout ce qui n'est pas enlevé partira. Mais il y a certains endroits où on n'a pas pu terminer. J'ai les fesses de Gossip. Voilà. Hein. Louloute, j'ai tes fesses. Je disais qu'il y avait des parties qu'on n'avait pas pu faire, comme en dessous du poitrail, le passage de sangle, ainsi qu'en dessous vers le fond de son bidon, parce que la tondeuse est vraiment très large et que ces endroits-là sont vraiment très étroits et on avait peur de la blesser à cause du fait qu'il y ait tellement de plis qu'on ne pouvait même pas passer la tondeuse. Et au bout d'un moment, Gossip en avait vraiment marre et j'avais un rendez-vous médical, du coup je ne pouvais plus trop rester. Donc vraiment les précisions, on ne les a pas fait en fait, on a laissé. Et moi ça m'est égal, hein, on voit pas, voilà, c'est pas parfait là comme on peut voir dans certains endroits. Il y a encore les poils, mais sachant qu'elle est en train de muer, bah voilà, il n'y a pas forcément de soucis de ce côté-là. Mais franchement, mon ami m'a fait un superbe travail. Je n'aurais pas pu faire mieux, hein. Je pense que moi pour une première, je n'aurais pas fait... Des miracles, les fesses de Gossip. Toutes belles. Regardez-moi ces fesses. Elles sont belles. Hein. Un Gossip. Je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'avais décidé de tondre Gossip. Parce que vous allez dire pourquoi elle tond Gossip. C'est tout simplement l'année dernière, Gossip m'avait chopé des tiques. Et à ce moment-là, je n'avais pas de tondeuse, mais je m'étais dit, si l'année d'après elle me rechoppe des tiques, c'est sûr et certain, je la tonds. Et peu après le fait que le vétérinaire était venu parce que Gossip était vraiment maigre et dû au fait qu'elle manquait de calcium, quelques jours plus tard elle a commencé à me rattraper des gros tics et à ce moment là voilà, c'est pour ça que je m'étais dit cette fois-ci je la tonds et c'était pour ça que du coup j'avais testé avec la tondeuse pour chien et que par malchance ça n'a pas marché et que j'ai dû investir dans la tondeuse pour chevaux et qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que le résultat vous convient. Moi en tout cas il me convient, donc c'est le principal. Sinon je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.